je viens d'avoir. Non, ça c'est avant. Qu'on sert maintenant d'hommes puissants, d'hommes ouverts, avec une sainte esprit. Les choses sont quand tu parles. Alléluia. Donc il va s'élever. Et quand il a marché sur le bataille, premièrement, il prend directement la prophétie. Premièrement, il dit je marche contre toi au nord. Oubliez la Bible dit, quand on s'est converti, la chose,
quelqu'un là, mais m'a parlé. T'as vu me parler doucement. Ah, Seigneur, pas mon culot. Il dit prophétise sur ses os. La bouche, si sont purifiés, que les soins l'onction. Mais voici devant toi Jésus, rempli du Saint-Esprit, rempli de la plénitude de Dieu, que les soins l'onction de Dieu, que les soins le statut du fait, que je suis prêt avec Jésus. Alors, je me tiens la sanctification. Et je viens d'apprendre maintenant Jésus pour la prière prophétique. Au nom de Jésus, amen. Allez-vous nommer maintenant, mais je sors avant de commencer la prière prophétique. Je vous demande d'être vraiment prêt maintenant. Merci à vous, c'est nouveau, nous, ça vous rappelle juste ce célèbre. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, la main. Merci, bonne santé. On va faire la prière prophétique. Nous commençons à réfléchir maintenant. Les choses que vous avez prises tout à l'heure. Les personnes qui sont malades seront guéries. Les personnes qui sont posées seront délivrées. Si tu n'as pas appris, on va faire la prière prophétique. Dans le temps et dans l'espace. Maintenant même, tout doit s'accomplir. Après demain, tout doit s'accomplir. Je demande à la personne qui est malade. De votre promesse, car celui qui a fait
que la promesse est fidèle. Dieu est fidèle. Quand nous proclamons, Dieu réalise. Et Genèse 1 dit que Dieu a proclamé par la réalité, Dieu a réalisé par la proclamation. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et le Seigneur est d'accord et il est prêt à aider, à marcher avec tous ceux qui proclament. Et ça, c'est biblique. Je suis d'accord avec la prédication. Et je bénis l'homme de Dieu que Dieu nous a envoyé. C'est le message qu'il faut à l'église de Dieu aujourd'hui, partout dans le monde, pour que les enfants de Dieu puissent en sortir au nom de Jésus. Merci. Vous avez besoin d'un message. Où on peut vous avoir? Depuis que j'ai connu le vrai Jésus, la bouche était au moins comme ça. Ça fait que ça n'est pas le cas que c'est chaud au cœur parce que il a gardé son option et le Seigneur l'a encore au moins plus. Et je pense que vraiment celui qui marche avec lui, il est vraiment béni parce qu'il m'a appris beaucoup de choses. Et si aujourd'hui je suis My viewpoint is the following. In the world, sometimes people have the impression that it cannot move forward. They have the impression that whenever there is a situation, they cannot move forward. They're blocked because they don't think they can move over the difficulties, the problem of their life. When, for example, you want to get a job or you're sick and that sickness is repetitive in your life, you cannot get out of it. Sometimes some people think that it is because they're cursed and that a curse remains upon their life, and they're not sure that their father has given them the power to get out of that curse. But through that message, how can you make prophetical prayer? You have the power, you as a Christian, to declare your deliverance, to declare your victory. You have the power to tell to the devil that his power is blocked. Now, it has been overcome at the cross, and that you has won the victory through Jesus, and that he doesn't have the power over you. He doesn't have the right to block you. He doesn't have the right to prevent you from getting what has been promised to you. This is what I want. I preferred in that message. He said you got a power to possess your possession. And this is figuratively very nice to say you got a power to possess your possession, because God has given you everything and he is the master of gold. Pour les merveilles, pour sa puissance, oui. Et aussi pour la profondeur, n'est-ce pas, l'enseignement que nous venons de recevoir tout au long de cette semaine. Et je suis émerveillé et je peux à la fois dire que je suis doublement heureux, parce que l'évangéliste qu'on a jamais